Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Desolation. On se retrouve avec notre petite équipe pour tenter de survivre. On avait pris cher au dernier épisode, ça n'a pas changé. On était prêt, cela dit, à rendre la moyenne de leurs pièces aux gens désagréables qui nous ont un peu fait mal. On a la flèche qui descend doucement, mine de rien. Et en fait, on est sur un truc de cultiste easy, donc je pense qu'on va se les faire. Parce que, tout simplement, en général, quand on bute des cultistes, il y a du sang. Et du coup, du sang, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on a quoi? T'as encore un arbalétrier ici. Un mec tout seul là, qui va certainement aller se jeter sur les gens et se faire buter. Un mec ici à défendre. Quoique, il pourrait venir vers nous, mais j'y crois pas trop. Hein. On pourrait nous aller vers lui, du coup. Mais bon, c'est risqué, on peut renvoyer genre squash, le protéger, essayer peut-être d'aller taper sur le... ouais, pourquoi pas. Ici il y a quand même beaucoup de gens à protéger, une grosse zone. Donc il va falloir qu'on soit assez efficace. Là on va pouvoir essayer d'aller sniper rapidement ce mec, on pourrait le repousser dans le vide d'ailleurs. Mettre spam là et le repousser. On a Mijoli qui est blessé, hein, donc il doit faire assez attention à ce qui est fait. Toi, on va switcher avec lui et on va se placer là pour pouvoir tirer. Niveau de tireur, il a que le javelinier. Hein. Il n'y a personne de planqué dans un coin. Ok, donc on envoie Squash là-bas avec son armure. Switcher ce mec pour qu'il reste derrière et puis essayer de gérer éventuellement de ce côté là, tout seul dans un premier temps. Toi, est-ce que tu peux aller là? Oui, tu pourrais aller là éventuellement, donc si jamais il y a besoin pour envoyer des renforts de tireurs en hauteur. On va essayer d'aller se placer pour faire du DPS sur ces gens. Là on va essayer d'aller repousser lui directement dans le vide. Gakkar il va faire je sais pas quoi, non c'est pas Gakkar d'ailleurs, c'est Jestil, ouais. Jestil il va aller faire je sais pas quoi et Bibok ils vont aller protéger ces deux là. Allez, faisons ça. Faisons ça ici. Hop. On va commencer par un petit tir sur ce mec. Ici. Alors on a quoi? On a Ritaliette. On va te le mettre sur toi déjà. Et aussi sur toi, voilà. Et on va aller se mettre en première ligne par là. Alors on peut poser quelques pièges, ça peut être pas mal. On va le mettre là. Voilà. On peut pas en mettre, ouais, on peut pas, on est d'accord. Je me disais c'est bizarre, je suis out of breath et pourtant je peux quand même le faire, mais non. On est bien d'accord que je ne peux pas. Ici on va avancer pour gagner une case et tirer sur ce type. Alors là ce qu'on fait c'est qu'on va là et on bâche ce mec dans le vide. Voilà. Un mort déjà. Toujours ça de gérer. Ici du coup on swap avec lui, comme ça on évite qu'il fasse un peu trop n'importe quoi, même si ça reste relatif. Ici pareil on swap avec lui pour le reculer d'une case. On aura déjà un peu moins envie de faire de la merde. Lui c'est assez improbable qu'on le sauve hein, malheureusement. Il est beaucoup trop mal placé, voilà. Don acte. Voilà, il se prend le piège. Hop. Ritaliate dans ta tronche. Reflexive skin dans ta tronche. Ok. Ça commence bien, ils font n'importe quoi. Ok, ça fait mal. Le man splitter hein, qui fait toujours pas bien par où il passe, donc là on va devoir foutre un peu de ça. Ici, on devrait être capable de relativement se débarrasser de lui grâce à notre extra attaque. Faire strike malheureusement. Du coup tu vas avoir droit à un petit last stand aussi je pense. Hop, voilà. Et bah ta deuxième extra attaque ne sert à rien. Ici. Est-ce que tu as Stalwarts toi? Non. Donc te bâcher contre un solid object, ça devrait le stun.
Là du coup faut qu'on vienne en courant puisque lui a décidé de. Ils ont décidé de se barrer par là, donc voilà. Ici, on va profiter qu'il est stun pour faire un coup critique et le terminer. Et là, je me tâte, hein, parce que techniquement, Spam il va galérer tout seul face à deux mecs comme ça. Il a aucune compétence, lui, et lui, on peut pas le repousser, par contre. Il a Mansplitter, ce mec. Non, il a Bash. Oh putain, il a Bash. Attention. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je l'empêche de venir là, sinon on va repousser Spam. Donc, ouais. Spam qui n'a pas... Si, il a Stalwart, Spam. C'est pas grave. On va mettre un Mansplitter. Ça devrait... peut-être lui faire un peu peur. On va jeter un piège là pour le petit coquin qui aurait envie de descendre, même si visiblement ils peuvent pas plus que ça. Et là, ouais, malheureusement on peut pas le finir. C'est presque dommage. Oh, putain, ça fait tellement mal. Aïe. Retail Gut et le Reflexive Skin. C'est quand même mal, hein. Par contre, du coup, le Last Stand est terminé. On va donc lui remettre. On va continuer de taper sur ce mec. En plus, il saigne, donc ça va enchaîner le saignement. Allez, tue-le avec le saignement, parfait. Ça c'est parfait. Ah, lui il est trop loin malheureusement. Spam qui résiste, hein, mine de rien. T'as pas Lightfoot, hein. Non, il a pas Lightfoot, donc ça sert à rien que je le switch. Il faut que je tape. Déjà Mansplitter de dispo de nouveau, quoi. Pff, ça fait mal. On va devoir lui remettre un last stand du coup. Ouais, ici on va se le glitcher avec lui. Essayer d'aller par là. Lui, quand il va arriver avec son Mansplitter, il va faire mal aussi. Ouais, il va se lâcher. Hop, voilà. Reflexive skin qui fait le taf. Ici il tape, malheureusement la stun qui proc mais on ne peut rien en faire. Ici on va pouvoir terminer ce mec. Ce qui va nous permettre de charger sur l'arbalétrier j'espère. Ah putain il est trop loin. Malheureusement, il est trop loin. Spam, j'ai presque envie de dire que tu vas plutôt te replier par là-bas. Et tu vas shielder ton pote. Voilà. Ça fera pas de mal. Ici, on pourrait faire ça. Swapper avec lui du coup et mettre un petit coup critique qui stun. Parfait ça. Donc ici on a une extra attaque sur ce mec qui saigne ou alors on tape sur lui qui est en train de... sur ce mec qui est stun, pardon. On va taper lui. Simplement parce qu'avec le saignement on va pouvoir le tuer. Et qu'il n'y a plus vraiment de danger de sa part à lui puisqu'il est, stun donc il va pas jouer tout de suite. En plus on a une extra attaque et on a débloqué Angel Pack du coup, parfait. Alors on a un Last Stand de débloqué. Lui va pouvoir faire quoi? Pas grand chose hein. Bon, il va rien faire de très très utile pour l'instant. On va taper là. Enfin si, il va peut-être pouvoir tirer sur ce con. Parce que
bien sûr, il faut bien que l'IA fasse de la merde. Ici on est coincé, on va switch, switch et avancer d'une case. C'est pas fou mais c'est pas grave. Alors, voilà, comme on pouvait s'y attendre. Là on est trop loin, on va donc devoir pareil, switch et avancer de case en case. Est-ce qu'on peut aller lui taper dessus? Il faut qu'on aille là. Ok, c'est parti pour un petit man splitter. Hop, voilà. Ah putain, il a débloqué Snipe, le fumier. Le petit fumier. Bon, il joue pas tout de suite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Swap avec ce con. Ici, on regagne tranquillement notre vie. Hop là. Ok, on commence à débloquer Masculeur avec Spam, c'est pas demain, autant dire. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, Eastern qui va faire le taf, est-ce qu'il peut réattaquer? Non, c'est bon. On devrait être capable de le terminer du coup, j'espère. Ouais, y a Bubok qui rejoue avant. Malheureusement on est beaucoup trop loin avec nos tireurs. En attendant on va swapper comme ça pour qu'il reste un peu derrière. Alors faut pas qu'on se foire, hein. Si on veut lui taper dessus, faut qu'on aille là. Et on est quand même capable de le finir. Ok, c'est passé. C'était pas loin, mais c'est passé. Et on récupère 65 de sang. Putain, parfait, parfait ça. Alors, on récupère un Stalwarts, un Immobilizing Critical, un Ranged Support, un Lightfoot. Je pense qu'on va prendre le Stalwarts pour améliorer notre Stalwarts. C'est peut-être un Ranged Support. Ok, alors là, c'est l'heure de faire des médecines. Il faut qu'on garde un peu de flèches parce que notre spam en a malheureusement besoin. Alors, qui c'est qui est dans le mal? 52, 58, on va te soigner. 52, 52... Soignons, claquons de la médecine, il en reste deux, il nous faut deux médecines encore. C'est pas encore gagné. Ici on a un Ranged Support avec 0 penalty. On va donc l'améliorer. Techniquement on pourrait complètement dispatcher nos Ranged Support, mais on voit déjà qu'on est bien pris en termes de. Comment de mutator. Ici on continue d'améliorer celui-là, parfait. Ok, donc Mijoli qui ne peut être remplacé par personne malheureusement. Donc lui il est Weaponsmith, lui il est Weaponsmith aussi. Est-ce qu'ils ont un niveau de Weaponsmith? Current level 1, current level 1, ok. Attends d'ailleurs j'ai pas eu, il a un bâton en mitril quoi. Il a un bâton en viridium, ben, si un jour on a un prêtre, j'aimerais bien qu'un jour on ait un prêtre, ça sera intéressant. Du coup, on va aller s'occuper de ce village là, tout simplement parce qu'il nous donne un peu de flèches. Alors on a des taupes mutantes qui ont émergé, parfait. Ça c'est quoi? Ah bah un prêtre soigneur a été, enfin manque à l'appel. Les paysans disent que Aryuk le scavenger l'a kidnappé et qu'il est maintenant juste au nord. Est-ce qu'on se tenterait ça? 14 quand même, hein, ça fait... On n'est pas dans des conditions idéales, mais on peut tenter. On va essayer d'aller jeter un oeil. Ouah, c'est hard. Allez, on va voir ce que ça donne. Du coup, on a vu que si on s'énervait, enfin si on attendait trop et qu'on laissait de faire ce qu'il voulait, c'était un peu le drame. Oh sinon, au niveau tireur, 3 tireurs, mais c'est pas des boss cette fois. La zone d'engagement est quand même très large. Hein. Donc on pourrait envoyer ces deux-là plus nos tireurs pour s'occuper de lui, ça devrait largement suffire. Et en face, on envoie Squash et Spam avec aidé de Baptiste.
Putain, ils ont 3 mecs avec des haches. Ça va qu'il n'y a pas trop de vide pour nous repousser. Putain, ils sont nombreux quand même. Hein. On peut pas envoyer autant de personnes. Va falloir qu'on garde Bubok ici pour blinder. Va falloir que Gistid et l'autre aient mis joli et gère parce que tout seul ça va pas être possible. Puis ils ont un boss assassin, un boss avec une hache, un boss avec une grande hache, un boss avec une épée. Et la zone de défense est clairement pas ouf. On va se mettre là et on va se faire cerner plutôt de toutes parts. De l'autre côté, si on se replie, ces arbalétriers vont pouvoir se faire bien plaisir. Donc je suis pas bien sûr qu'on ait trop le choix. Ouais, défensivement, c'est à chier, clairement. Y a pas d'autre mot. Allez, tant pis, on va tenter. Donc c'est pas un prêtre en fait, hein, c'est un soigneur, je dirais pas lambda mais presque. Ici on va prendre Ritaliat et on va voir un peu comment ça se passe vis-à-vis des dégâts ici notamment là. Est-ce qu'on peut aller là? Je peux aller là mais pas tout de suite. Ouais, niveau dégâts. Parce que je suis pas sûr qu'il est considéré comme un allié lui, si je suis dans son dos, je suis pas sûr que ça marche niveau dégâts en fait. Alors ici on pourrait le repousser, parce que c'est bien utile. Repousser de deux cases, il y a l'air ici, il s'éloignerait de nous, non c'est absolument pas utile. Donc à la place on va lui mettre un coup d'épée. Ici on va mettre des pièges partout où on peut. Pour occuper le terrain. Tirera plus tard. Toi tu viens là. Tu mets un coup sur la tronche de ce mec. Et ici... si je vais là il va me repousser. On peut mettre un man splitter là donc c'est un peu dommage mais étant donné qu'ils vont probablement essayer de me repousser, ça peut quand même être intéressant d'être là. Oh putain, une taupe en plante sous nous quoi. Bon bah du coup là c'est un trou. Très très bien. Donc ils n'ont plus nous taper dessus. Ok, c'est ce que je voulais voir. Là ça va être la violence. Très très bien. Donc on va devoir mettre un lasten là-bas. Oh la vache quoi. Putain. Ok, donc un lasten d'ici et un lasten là. Et eux à deux là ils vont mettre des plombs à le finir. Hein. Alors est-ce que tu pourrais pas monter? Alors si tu montes tu vas être exposé lamentablement mais. Pas vraiment rester en bas non plus, faut qu'on fasse mal à ce point. Ok, on le met saignement et tout, c'est parfait. Hop. Attends, lui il fait tout le tour, il va venir nous emmerder ici. Ok, parfait, toujours ça de pris. C'est tout, 191 seulement, t'es sérieux? Ah, ça fait mal. Ça sert à rien, on va crever là je pense. Ça va pour l'instant mais un coup de... Ouais les arbalétriers vont nous finir hein, tous les coups. Alors, heureusement qu'on a le réflexif skin ici parce que... Oh la vache. Au moins avant de crever il aurait fait des dégâts, mais ouais, effectivement, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On peut pas se permettre un combat aussi difficile. Je voulais tester parce que je voulais voir en fait c'était un prêtre mais c'est un soigneur, ce qui est bien.
mais qui n'est pas non plus très utile dans notre contexte. On va donc du coup recharger la partie et ne pas tenter ce combat. À la place, on va aller se faire le village, qui à mon avis va déjà être bien assez badass. Alors, comment ça se présente? On a un péon ici. Ici, on peut aller taper directement sur lui, pourquoi pas. Ici, il y a un boss, mais qui ne peut pas aller là. Ok, très bien. Sont où les autres villageois? Il y en a un là. Ok, très bien. Donc l'objectif, ça va être d'aller par ici, occuper un peu la foule. Alors, qui c'est qui est le plus adapté? Spam ou... Est-ce que j'ai moyen de voir leur capacité? Non. C'est bien dommage. Je voulais voir lequel avait le plus d'armure entre squash et spam. J'aurais tendance à penser que c'est spam. Donc il va aller se mettre là, il va taper sur ce truc là en attendant que... les renforts arrivent. Ici. Alors ici on est un peu trop loin quand même. Toi tu vas venir là. On va aller mettre des tatanes sur ce mec assez vite. C'est sacrément accidenté. Hein. Si on veut aller, mettons qu'on est là, si on veut aller là, faut qu'on passe par ici. Si on veut aller là, faut qu'on passe par là. Ok. Du coup, on va garder ces deux là. Ouais, non, on va mettre peut-être Mijoli ici pour aller faire un peu plus de DPS par là. Ça me paraîtrait pas mal. Ouais, ça me paraîtrait pas mal comme ça. On essaie de se débarrasser rapidement de celui-là. Et après, on verra comment ça se passe. Là il est trop près ce villageois, il va activer toute la foule. Après si je me mets ici ça va activer tout le monde. Toi tu peux passer par là, donc il y en a qui vont essayer de faire le tour. Très clairement. Lui il va éventuellement se pointer aussi. Là on a un chemin pour aller taper sur lui, mais c'est un peu de la merde, ça sert à rien. Ici on est que deux. Si on se met là, on peut tenir à deux. Hein. S'ils vont essayer de faire le tour. Allez, on va tenter, on est pas mal séparés. On est pas mal séparés, on est pas mal dispersés, pardon. Trop loin. Tu peux aller jusqu'où toi? Oh putain, tu peux même pas aller jusqu'à assez loin quoi. Commencer par un petit coup des familles. On va prendre un retaliate ici. On va également prendre un retaliate et un lastan là. Stalwart ce truc, non? Effect immunity, ça fait quoi? All negative statue effect. Ok. Bah, du coup, on tape. Hein. Ici, on va commencer les hostilités. Alors là, on a Lightfoot, donc du coup, on peut swap et taper. Ça, c'est cool. Ici on pourrait... Et on a Lightfoot avec lui. Oui, on a Lightfoot. Donc on va swapper avec le copain là. Voilà. Donc ça les active, comme on s'en doutait un peu. Voilà, il va essayer de se placer dans notre dos là. Pas vraiment de moyen de l'en empêcher malheureusement. On va continuer de DPS ici, faut qu'on se débarrasse de lui très rapidement. Fais ça. Ici on va continuer de taper sur lui avant qu'il ait envie de s'énerver. Ici, je pourrais aller ici pour occuper un peu la foule. Ça pourrait être intéressant. Alors malheureusement il y en a au moins un qui va aller là. Après les autres vont peut-être vouloir revenir vers nous. Ça pourrait être intéressant d'avoir une marque de l'assassin ici. On va mettre une petite attaque là. Ici du coup. Du coup. Attends, on est vraiment bien en dessous. On va aller jusque là. Hop. Aïe.
peux aller jusqu'où toi? Jusque là. Si je me mets là, je pourrais peut-être lui tirer dessus. Elle est rouge cette case ou pas? J'arrive pas à voir. Ouais, elle est rouge cette case, fait chier. Du coup, on va aller là. 50%, ah, fait chier. On va acheter quelques pièges pour donner du temps à Bubok. Hop là, ça c'est propre. Du coup, on va aller là. Occuper un peu le monde, on laisse le piège disponible. Des fois, que quelqu'un arrive à aller dessus, ça peut être intéressant. Donc là, malheureusement, ouais, coup critique. J'aurais peut-être dû reculer, ça aurait peut-être valu le coup quand même. Aïe. Oh putain, poisonnade. On va prendre la stand. Ici, tant pis, ça vaut le coup de reculer. Cela dit. Faire un flash en mode. Ouais, 112, c'est pas fou. Très honnêtement, c'est pas fou. Ouais, l'air de le repousser, c'était peut-être pas forcément une bonne idée en fait. Du coup, il va venir dans notre dos de nouveau. Bon, là, le Critical Counter-Strike, il fait le taf, hein, pas à chier. Alors, il commence à débloquer Maskiller, parfait. On a débloqué un nouveau Last End, donc on en a pas besoin ici. Bon, ça va clairement servir là. Toi, tu vas aller dans son dos. On va mettre Retaliate, on va le remettre sur lui. Stunning Blow, il a résisté. Ça fait mal. Ici on va reculer. On va bâcher celui-là contre un solid object. Ah non, c'est une barricade. C'est pas tout à fait considéré comme un solid object. Lui joue quand? Ouais, il vient trop vite. Il va certainement venir se pointer là, mais en attendant on peut déjà faire un truc comme ça. Voilà. Attends, il est pas mort le con. Ah, on a été taunt ici. Ok, voilà, du coup, c'est parti. Brother in arm, ok. Bon bah ça a fait le taf là, le petit Gistide avec son... Ok parfait, en plus lui panique. Du coup, il peut encore attaquer, non il est out of breath. Quand même ça aurait été un peu brutal. Parce qu'il attaque le mec qui panique, ce qui veut dire qu'il va faire le last stand et normalement se soigner aussi un petit peu. Oh la vache, il vient de se faire deux mecs full life en un tour quoi. C'est la fête totale quoi. Il réattaque en plus. Putain, oh la vache quoi. Bah du coup vas-y, hein, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Petit gain, pas de problème. Une autre attaque supplémentaire, c'est parti. Ah, et les assassins quand ils s'énervent, ils déconnent pas. Alors lui il nous tire. Ah, le fumier, il nous tire là. Du coup... Pour l'instant, on va essayer de se débarrasser de lui, parce que comme ça on pourra passer sans activer les... l'huile. Lui je suis super déçu qu'il ait droit à une nouvelle attaque quoi, franchement... C'est abusé, personnellement je trouve. Ok, il va taper sur lui. Merdoum, j'ai envie de dire. Lui s'active aussi, parfait, on est bien.
Va falloir qu'on aille filer un coup de main à Spam hein, qui souffre un peu trop. Ici, Justid a montré sa capacité à nettoyer, nettoyer le champ de bataille sans problème. Ici, c'est tendu quand même. Pour eux, quand même filer un coup de main. Alors, on va rester dans le coin à aider. Hein. Spam, Spam, ouais, il tiendra jamais tout seul. Hein. Ah, on n'est pas capable de le tuer comme ça, sérieux. Bah du coup, autant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer. Tant pis, on prend un petit peu d'huile, mais... Malheureusement, on n'a plus de vitesse. Ici, du coup, on va mettre un petit coup. Hop, voilà. Donc là, faut qu'on bouge. Plus avoir l'huile bouillante qui nous fait chier. Avec une seule attaque? Ah oui, pareil, c'est bizarre. Tout de même, une seule attaque, Justit quoi. Ici il nous reste un last stand, ici il nous reste un last stand. Ici il est pas encore tout à fait mort. On va finir ce mec pour pouvoir aller mettre un gros taquet dans la tronche de celui-là avec Bibok. Bibok qui peut se permettre de mettre un gros taquet. Et c'est bien considéré comme un coup critique, en plus il est strong vs blood john. 1451 de dégâts dans sa tronche. Toujours aussi monstrueux quand il s'énerve lui. Ok, là il préfère venir nous taper que lui, c'est plutôt cool. Necroscreen, ah il a un necroscreen skin lui. Ah oui, alors ça fait quoi déjà ce truc là? Ouais c'est ça, ça. Quand il prend des dégâts ça commence à grandir et du coup il... Faut qu'on se débarrasse de cette saloperie aussi. Mais écoute Mizoli, tu vas t'en occuper. Hop, puis avec tes rangers de support tu fileras des coups de main à Spam quand tu auras besoin. Attends, il a tellement d'attaques là, il a quoi? Deux doubles attaques, c'est la fête. Il a tapé tout ce qu'il pouvait, il a même pas réussi à passer l'armure. Mais ça commence quand même à clignoter un peu. Ici il nous reste quoi? Il nous reste ce type. Ici on va aller par là. On tape là-dessus. Même au corps à corps le ranger de support fonctionne, c'est cool. Toi t'es peut-être un petit peu trop dans le mal pour tenter des trucs. Ok, son armure est brisée, c'est parfait. Bah Spam du coup, tape hein. Voilà, il est pas mort quoi. J'aurais presque envie de dire hashtag tristesse. Il reste combien de PV? 8, normal. Alors ici lui, si je veux passer, ouais, je peux pas passer par ici hein. Et si on veut passer par l'autre côté? Ah faut passer par lui, ouais, c'est merdique ça. Bon, on va essayer d'aller par là, voir si on peut pas... Non, on pourra peut-être lui jeter un piège d'ici. Waouh, malgré l'armure il nous enlève la moitié de nos PV quoi. Ah il nous a stun. À quel moment tu nous as stun comme ça là? C'est la teuf. Little blow, flagrant. Ah oui ok d'accord, c'est pour ça. Quand il prend des dommages, il fait 75% de cette quantité de dégâts en bonus pour son prochain coup. Et overwing, nanana. Et si on fait au moins 35% de la cible, ça la stun. D'accord, très bien. Et donc c'est un marteau qu'il a. Je pensais que c'était un genre de hache, mais non, c'est un marteau. Très très bien. On peut pas swap parce qu'on est out of breath, c'est pas grave. On va out of breath avec celui-là parce que de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Ici on va se placer là, on peut pas lui tirer dessus, on va se placer là, on peut pas lui tirer dessus non plus, c'est dommage.
Là, je suis pas sûr que je pourrais swap avec lui. Ouais, il est stun. Et je peux, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc, bah, tant pis, on va attendre. Alors, on n'est pas capable de le tuer. C'est bien dommage. Ici, du coup, on peut lui mettre un petit piège à pique. On va le faire. Hop. Ça reste du DPS. Hein. Là, on swap avec lui. Et du coup, on va se mettre par là. Du coup, Little Blow, forcément. Mais le Last Stand ne va pas proc puisqu'il est, il est stun. Hop. On va quand même lui remettre un Last Stand. Alors, je peux vraiment pas lui tirer dessus là. Non, il n'y a pas moyen. Dommage ça. Donc là, on est toujours coincé. Est-ce que je pourrais faire le tour? Je pourrais peut-être faire le tour. Je crois que... Ouais, non, il n'y a pas moyen là. Il faudrait que Mijoli se pointe pour baisser cette case en fait. Bon, lui, on va le finir sans trop de problèmes normalement. Mijoli, alors du coup, le problème c'est que je peux pas baisser la case tant qu'il y a lui qui est là. Donc pour l'instant... Ah bon, on peut se le finir, c'est bon. Parfait. Il a décidé de crever ce con. Et ici, on a un tir dégagé, c'est parti. Bien, 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 bien. On s'en tire plutôt bien, donc du coup on a sauvé deux des deux villageois, ils nous donnent 36 de life essence. On a un revitaliseur, on a un fléchiteur, on a un poisonous critical, c'est intéressant, tous ces trucs sont très intéressants. On va prendre le revitaliseur. Mijoli n'est pas encore tout à fait bien. Mais c'est pas grave. Quoique le revitaliseur on s'en sert même pas en fait. Bon, je m'en souviens. On va chercher en speed avant la fin de l'épisode et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, un nuage violet cette fois. Euphoria pour les Swampers. Ok, plus 50% de focus régénération pour tous les Swampers. Ici c'est des Scavengers donc ça va. Et là c'est des Swampers mais on n'est pas dessus tout de suite. Ok, c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Test une forteresse. On n'ira probablement pas. Ok, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On va essayer de continuer de trouver de quoi se soigner. On a d'ailleurs de quoi se soigner, mais si on le fait, on ne pourra pas nourrir Spam. Ce qui peut être un problème. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.